Please raise your right hand. Le 20 janvier 2021, Joe Biden prête serment en tant que 46e président des États-Unis. I, Joseph Robinette Biden, do solemnly swear. L'événement est suivi par des télévisions du monde entier. Mais pas que. Je sens qu'aujourd'hui, on assistera à quelque chose. Ces internautes font partie du mouvement QAnon, un mouvement complotiste selon lequel ce 20 janvier, l'armée va faire un coup d'État et arrêter tous les politiciens présents au Capitole car ils feraient partie d'un réseau international de pédophiles satanistes. Ils suivent l'événement en direct avec 35 000 spectateurs. Les amis, vous inquiétez pas, hein, ils n'auront pas le pouvoir, c'est hors de question. Les militaires, ils vont pas laisser ça. Sauf que ce jour-là, rien ne se passe. Les théories complotistes du mouvement QAnon se heurtent au mur de la réalité, plongeant ses adeptes dans l'incompréhension la plus totale. Ce n'est ni le moment de douter, ni le moment de s'affaiblir, c'est au contraire profiter de ces moments pour renforcer votre foi. Alors comment un mouvement qualifié de complotiste peut-il survivre malgré l'échec de sa principale prophétie? Dans les années 50, un psychologue s'est posé exactement cette question. Il s'appelle Léon Festinger. Pour y répondre, Festinger infiltre les Seekers, une secte sensible aux phénomènes extraterrestres. Le 21 décembre 1954, les Seekers se préparent pour la fin du monde. Les adeptes sont tous réunis dans un silence de mort, évidemment, avant à partir de 11h. Et il faut dire qu'il y a des gens, hein, depuis plusieurs années, qui vivaient dans la secte et qui avaient tout vendu ce qu'ils avaient. Donc ils avaient quitté leur famille, hein. Il y a eu des choses comme dans toutes les sectes. Et donc les auteurs décrivent, hein, tout à coup c'est minute avant minuit, tout à coup minuit sonne et rien ne se passe. Rien ne se passe. Et Festinger se demande comment les Seekers vont réagir face à cet échec. Il invente un terme pour désigner ce qui se déroule ensuite, la dissonance cognitive. Anytime there is insufficient reward, there will be dissonance. Concrètement, nous avons tous des idées, des pensées, ce que Festinger appelle des cognitions. Parfois, il arrive qu'il y ait un décalage entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, voire même entre ce qu'on pense et d'autres choses que l'on pense. Festinger appelle ce décalage la dissonance cognitive. On ressent tous cette dissonance quand, par exemple, on est fumeur ou fumeuse et on nous dit que fumer, c'est mauvais pour la santé, ben, on ressent une dissonance cognitive. Alors après, les gens vont essayer de réduire cette dissonance d'une façon ou d'une autre. Soit ils vont arrêter de fumer, soit ils vont se dire « mais je suis encore jeune, j'arrêterai plus tard », etc. Donc il y a toutes sortes de moyens de réduire cette dissonance. What do you think? This is what I was really looking for. A menthol cigarette where you can taste the tobacco. Prenons l'exemple d'un fumeur. Un individu bien conscient que fumer peut causer sa mort. Pourtant, il fume. Le cerveau humain déteste cette dissonance et va inconsciemment tenter de la réduire. Pour y arriver, l'individu peut adapter son comportement afin de réduire le décalage avec ses cognitions. Dans ce cas-ci, arrêter de fumer. Mais adapter son comportement, c'est très compliqué. La majorité du temps, le cerveau fonctionne autrement. Il va adapter ses cognitions pour correspondre à son comportement. Par exemple, je fume, mais ce n'est pas grave parce que je connais des fumeurs qui ont vécu très vieux. Revenons maintenant au 21 décembre 1954. Les Seekers sont persuadés que la fin du monde aura lieu ce soir-là. Mais en réalité, rien ne se passe. Et là, on arrive à une dissonance maximale quand vous avez consacré toute votre vie pour un événement et qu'il n'arrive pas. C'est une dissonance extrême. De quitter la secte, c'est une façon de la résoudre, mais là, c'est difficile d'un point de vue psychologique et social parce que vous êtes, psychologiquement, vous avez cru à toutes ces choses pendant des années, donc c'est difficile à abandonner tout ça et à vous dire que vous avez été dupé pendant toutes ces années. Et au niveau social, c'est difficile de quitter aussi la secte parce que les gens, c'est votre famille, c'est votre nouvelle famille. Et donc, un autre moyen de réduire la dissonance cognitive, qui est énorme dans ce cas-là, c'est de croire encore plus à ce que dit la secte. Quelques minutes après minuit, la fondatrice de la secte adapte son discours. Si la fin du monde n'a pas eu lieu, c'est justement grâce aux Seekers. Ce sont leurs prières qui ont sauvé le monde. Une grande partie des adeptes décide de croire cette théorie, rassurés par cette explication qui leur permet de réduire la dissonance sans devoir quitter la secte. Mais ce qui interpelle Festinger, c'est que ça va même radicalement changer le fonctionnement de la secte. Avant le 21 décembre, les Seekers sont discrets,
Ils pensent être des élus et ne veulent pas être trop nombreux, mais après, ils changent et font tout leur possible pour diffuser leur message au maximum. Ils deviennent des recruteurs. Cet échec ne tue pas les Seekers, il les renforce. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte les moments qu'on est en train de vivre là ? Dites-vous bien qu'il y a des gens dans 100 ans, 200 ans qui donneraient tout pour assister à ce moment-là. Alors comment la théorie de Festinger peut-elle s'appliquer à QAnon ? Le 20 janvier 2021, les adeptes du mouvement sont persuadés de l'imminence d'un coup d'État. Mais rien ne se passe, et leurs certitudes sont bousculées. Une dissonance se crée. Je sais pas ce qui va se passer les gars, je n'ai absolument aucune idée. Et les amis, détendez-vous, vraiment détendez-vous. On a perdu Gary Marion qui dit « J'y crois plus, je suis déprimé ». Ce n'est ni le moment de douter, ni le moment de s'affaiblir, c'est au contraire profiter de ces moments pour renforcer votre foi. Il semble y avoir un certain nombre de similitudes entre l'expérience de Festinger et les événements du 20 janvier. La crainte est donc une radicalisation d'une partie du mouvement, avec des risques de violence. Néanmoins, la popularité de QAnon est principalement liée au contexte sanitaire et est donc susceptible de diminuer une fois la pandémie terminée. Ce qui est certain, c'est que le complotisme laisse des traces et pourrait à terme avoir des conséquences sur l'ensemble de la société. On a des recherches qui montrent qu'effectivement les gens qui sont dans les théories du complot sont des déçus de la politique et ils ne croient plus dans l'action politique démocratique normale. Et si vraiment ils n'acceptent plus du tout ce qu'ils voient et qu'ils pensent que tout ce qu'ils voient est faux, tout est caché, la dernière solution qui s'offre au complotiste quand il est à l'état final ou au grand paranoïaque, c'est la guerre contre tout le monde, parce que justement il n'y a plus personne, sauf les gens de son groupe, qui disent la vérité. Donc là ça peut être dangereux et on sait que les extrémistes de droite ou les grands complotistes, ils prennent les armes.